Eh bien, bonsoir les gens, c'est Willy. On se retrouve pour l'épisode numéro 60 de notre Let's Play sur Zelda Tears of the Kingdom. Déjà l'épisode 60, hein, quand même, ça fait beaucoup. On approche dangereusement du nombre d'épisodes de Breath of the Wild, qu'on va probablement dépasser. Dans l'épisode précédent, nous étions partis en direction du village des Limites, qui est quelque part à ce niveau-là. En s'envolant, on a vu la tour, on l'a activée, et après on nous sommes amusés à récupérer un souvenir et à visiter les îles célestes de l'archipel de l'Enel. Et là, nous allons faire un grand saut pour récupérer une autre partie de la tenue de chute libre. Et après ça, bon, on se dirigera tranquillement vers la limite. Je pense qu'on y arrivera tranquillement. Allez, sur ce, nous allons débuter. Je suis à combien de rubis? Je crois que j'en ai 1000. Attendez, est-ce qu'on peut voir ça? Ouais, j'en ai 1036. Île de l'épreuve de l'héroïsme. Allez, on y va. Hop! Ça, je connais. Ah, c'est un peu plus dangereux que l'île que j'avais fait. Parce qu'il n'y avait pas tous ces rochers. Mais c'est stylé, par contre c'est vachement haut. Ok, c'est par là. Hop. Et là maintenant, plouf! Allez. On va l'activer ce truc. Il y a une fée. Je la veux. Viens là, toi. Viens là. Merci. Lui aussi, il a un truc à me dire. Hop, on se refait un petit stop de flèches. Merci bien. Et qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Quel talent! Très heureux de te voir de si bon matin, cher participant à l'épreuve du plongeon céleste. Tu as terminé l'épreuve alors qu'elle n'avait même pas eu lieu. Ton zèle est tout à fait admirable. Nous pouvons à présent commencer l'épreuve du plongeon céleste à proprement parler. Es-tu prêt? Dans ce cas, je te demanderai un orbe d'énergie Sono en échange. Très bien. Je vais t'emmener au point de départ. Tu devras traverser tous les anneaux en 35 secondes maximum. Ah, c'est un peu chaud, hein. Parce que c'est très haut. Je dois faire des giga-plongeons. Alors, voyons voir. Hop. Allez, on plonge. Et mourir. Ok, c'est ici. Je l'ai raté. Je suis dégoûté. On recommence. Allez, c'est à son modération, je vais me prendre un mur. Il est mignon, lui. Moi, j'ai une vie, ou pas toi. On recommence.
Oh, le réflexe de roi. Ah bah oui, là, j'ai eu chaud. Hein. Ok. Je vois rien. Non. Il manque 150 secondes. Je suis dégoûté. J'arrête de hurler. Allez. Ok. Oh, elles sont bonnes celles-là. C'est bon. Tu as terminé en 27 secondes et 75 centièmes. Splendide performance. Tiens, accepte ceci. C'est la preuve de ta maturité. Masque de chute libre. Ce masque, pensé pour minimiser la prise du vent, favorise le contrôle de la trajectoire pour de la chute libre. 25 secondes, tu rêves. Tiens. Je vais activer ce truc pour voir ce que ça va me proposer. Mais il faudra vraiment que j'aille faire un tour dans les souterrains pour me refaire un peu de minerais, d'orbes, acheter des batteries. Et merci pour vos GG. Oh, le ressort, c'est pas mal ça. Voilà. Maintenant, on peut valider le sanctuaire. Et on va pouvoir se casser d'ici. Sanctuaire Sia Jogu. Bénédiction de Raoult. Allez, avec un grand orbe des neiges snow à tous les coups. Ah non! Oh! Un diamant brut! Magnifique! Très beau cadeau pour une fois. Bon, là on connaît, hein, on a déjà vu 30 fois la cinématique, donc je vous la skip. Troisième lueur bienfaisante, plus qu'une, et je pourrais avoir. Je pense prendre un quart de cœur en plus. Voilà. Bon. Direction est limite. A priori, ce serait ici. Donc, je le marque. Et je vais faire un gigasaut. Parce qu'il n'y a plus rien qui me retient. Il y a ce truc bizarre qui m'intrigue. Mais j'ai plus de marqueur. Pourquoi j'ai plus de marqueur? Voilà, on va passer par le violet. Allez. On est reparti. J'aurais peut-être dû prendre un véhicule. J'ai pas les mains. Au pire, je repasse vers la tour. Ce sera plus simple. Et là, allez, d'ici 10-15 minutes, grand max. Voilà, l'archipel de malade. Je devrais pouvoir arriver à les limites. Comme ça, on va pouvoir explorer un petit peu. Allez, on dans le trou. Et on saute.
Et là, c'est droit devant. Il y a un autre souvenir là. On dirait l'épée de légende. Ah, ça m'intrigue de ouf. Ouais, elle est où mon île là? J'ai une île au-dessus de moi, ce qui paraît. En dessous. Au-dessus, en dessous. Ah, tout d'un coup, elle est sous le nuage. C'est bizarre ce truc. Encore? Ah mais je descends je sais pas où. Ça m'embête un peu. Ah des boucliers sonium. Ah bah mais j'ai tout ce qu'il me faut moi déjà. Bon allez, on va prendre ça comme ça. Et hop. J'ai où? Ok. Oh. Attendez là. Oh, 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 oh. J'avais pas prévu de faire ça moi. Alors c'est stylé ouf par contre hein, mais... La légende de la source et des anneaux. Oh bah ça valait le coup là de rien. Bon c'est chiant parce que je suis où? Bon, faudra se relancer depuis la tour mais c'est pas grave. Il y a une récompense et j'aime la récompense. Ce sanctuaire dissipe le mal ancestral. Ah, décidément, je fais tout, sauf à la limite, c'est un truc de ouf. Tu ne peux pas utiliser ton équipement ici. Combat des armées en suspension. Ok. Oh, wow, 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 ça va vite. Alors... voyons voir mon stuff. Un bâton et un long bâton. On va aller bien loin avec ça.
Mais bon, ça peut se gérer. Voilà, ils perdent de la vie. Lui, il est mort. Merci pour ton bâton. Ce que je veux, c'est ça. T'es mort. Hop. Et pour ça... Voilà. Rien là-dedans, ça vaut pas le coup de les casser. Encore des bâtons. En fait, je comprends pourquoi il y avait les caisses. Non, c'est pas ça, pas ça, je m'embrouille dans mes touches. Hop. Et je pense qu'on peut repartir. Je peux pas m'infiltrer ici. On va s'infiltrer là. Tant qu'on y est. Ah, c'est bon, on est remonté. Je vais pouvoir terminer les golems. Franchement, ça, c'est pas très compliqué celui-là. On a déjà vu beaucoup plus dur. Regardez. Attention. Attention. Oh merde, qu'est-ce que je suis con. Tiens. Ah. Top. Secours, je galère. Mmh.
Voilà. Meurs. Voilà. Ah, il commence à mettre du temps à mourir. Toi, ta baguette. On va enlever l'amalgame. Mais t'as des réflexes, oui. Bah oui. Bon, des fois, ils sont un peu hasardeux, mais... Mais oui. Ah, c'est pas ouf, ce que j'ai fait. Oh mais il est nul lui. Ah j'ai plus d'arc. Voilà. Allez on n'en parle plus. On va faire une compile de tes plus gros fails. En vrai ça serait une compile d'une heure non? De 10 heures? Une heure? Allez. On va récupérer la petite récompense. L'allure bienfaisante. Et on va essayer de enfin rejoindre ce village des limites. Au moins récupérer le souvenir. Lance de Major. Cette lance, cette puissante lance était utilisée par les Sonao. Ouais, on va shooter le bâton. Voilà. On a des belles armes maintenant, je suis content. Allez, l'allure bienfaisante. I de 4. Je rapporterai la pernirule. Allez, on fonce. Oh, il y a une tour encore là-bas. Paf. Je sais pas où est-ce qu'elle mène. C'est... Ok, la tour de la prochaine zone. C'est pas plus mal. Et le village des limites est juste ici. Bah, très bien. Et il me fait de l'œil, hein, ce souvenir. Mais on est trop lent pour l'atteindre. Là-bas, il y a des trucs intéressants aussi, mais... Pareil, trop loin. On trouvera un moyen d'y retourner. Et je vais tomber. En plein dans le sanctuaire, comme ça on sera arrivé à les limites. Et on va pouvoir explorer un petit peu ce qu'il y a aux alentours. C'est le meilleur souvenir. Oh, et ben on ira tout de suite. Dans un prochain épisode. Et il y a une île en plus ici. En tout cas, j'ai remarqué plein de points d'intérêt. Qu'on ira visiter dans les futurs épisodes. Notre objectif c'est d'aller chez les Gyeudo, mais on va faire un petit tour comme ça pour voir ce qu'il y a aux alentours. Et là bah après limite ça sera le souvenir puis après le plateau du prélude je pense. Allez, je peux remettre ma tenue de base. Peut-être même pouvoir colorer ma tunique ilienne. Sanctuaire Zanmi Kalka. Allez, une cinquième lueur bienfaisante à récupérer. La forme qui élève.
D'accord, c'est quoi une histoire de boule? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a plein de boules. C'est le loto? Ah, ok, des trucs électriques. Je connais. Faut que je fasse une sorte de cuillère. Comme ça. Bon, on va essayer. Hein. Mais non, mais pas dans les boules. Non. Oh, en vrai. En vrai de vrai. Si je te colle ça comme ça. J'ai un plan. Faire absolument pas comme il demande. Et... Ah, j'allais dire, exagère pas, tu l'as là. Et voilà, trop facile cette technique. Ce sanctuaire là, il est nul. Et le coffre, il est au fond des boules. Ah. Il s'y connaît en boule, Rex. Alors... Ouais, c'est un peu relou là. Mais il est sur ta gauche. Je l'ai pas vu. Ah bah oui. Et il est bien caché celui-là. Allez hop. Espadon de sonium surpuissant. Je commence à avoir beaucoup de trucs bien, mais. JPP, bah tant pis, hein, je peux rien. J'ai que des bonnes armes. Que des masterclass. Non, il est bien. Bah oui, mais moi j'ai mieux. Allez, on valide. Toi qui parcours les sanctuaires purificateurs et qui dissipe le mal ancestral. Nos
te félicitons car tu as atteint le cœur de cet édifice. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Un truc qui fait du 23 quand même, l'autre fait du 24. Ouais, mais c'était une épée qui faisait du 23, non? Allez, cinquième lueur bienfaisante. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. C'est un bâton noueux. Oui, mais je peux l'amalgamer. Alors, à la limite, avant de partir, j'ai un dernier truc à faire là-dedans. Ma maison! Elle était par là, je crois. Je vais la prendre en photo. Oh! Chiant. Et oui, je sais que je vis avec Zelda. Je sais que je vis avec Zelda. Et qu'on fait des choses coquines ensemble. C'est pour ça que je la cherche. Parce que j'ai envie de faire des choses coquines avec elle. Et je sais qu'il y a un truc ici. Dans cette maison. Qui m'intéresse. C'est pour ça que je suis venu jusqu'ici. Mais d'abord, on visite. Il y a des petits plats avec des mecs random. Une chèvre. Un champ de fleurs avec la dame énervée. Le cheval d'or qu'on a perdu. Qu'il faudrait qu'on aille chercher d'ailleurs. Là, c'est vers le village Ikara. Il y a les héroïnes bizarres. Parce qu'il pleut tout le temps et c'est chiant. Un petit débarras. La meilleure photo que j'ai dans le DLC. Yeah. Je prends une photo d'une photo, moi. Il n'y a pas des petites photos random. Oh, je peux dormir. On va pas dormir tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas une arme cachée quelque part à droite à gauche? Non, pas d'arme cachée. Oh, un journal! Après la défaite du fléau, j'ai arpenté les terres d'Hyrule afin de déterminer par où commencer la reconstruction. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai pu voir. Des bâtiments effondrés, des cités entières en ruine. Je suis allé à la rencontre du peuple. Je les ai écoutés, je les ai observés, et enfin j'ai compris. J'ai compris que la plus grande force de notre royaume était la résilience sans faille de ses habitants. Eh bien oui, je suis avec Zelda, moi. Après l'avoir sauvé, je suis pas que son héros. Et j'ai compris qu'en retour, il était de mon devoir de veiller à leur protection et à leur bien-être. Nous avons entamé la reconstruction du royaume par le village des Limites. Nous y avons bâti une école. Il s'agit du plus important village ilien. Les terres qui l'entourent sont vastes et fertiles. C'est l'endroit idéal pour bâtir une école. Il y a de nombreux enfants. J'ai désigné Kanel comme enseignant. Il a été l'assistant de Pruer pendant de nombreuses années et c'est le plus qualifié. Et j'en suis sûr qu'il sait y faire avec les enfants turbulents. Je me rendrai régulièrement à l'école pendant quelque temps pour m'assurer que tout se passe bien. J'ai chargé Monsieur Serrazier, le mentor de Monsieur Grosaillet de Grosaillet et Associés, de la construction de l'école. Ma requête l'a beaucoup ému, car il s'agira de son dernier grand projet avant le long voyage qu'il projette. Je l'ai également chargé de construire une pièce secrète au sein de la propriété. Il y fait un peu sombre, mais elle est confortable malgré l'humidité. Je peux m'y isoler facilement chaque fois que j'ai besoin de me concentrer sur mon travail. L'école rencontre déjà ses premières difficultés. Nous manquons d'enseignants. Kanel est débordé, mais il ne parvient pas à recruter. J'aimerais une personne qualifiée pour ce poste, quelqu'un d'instruit, mais qui sache aussi s'y prendre avec les enfants. Éduquer les enfants, c'est cultiver l'avenir de notre contrée. Il convient de les guider pour qu'ils la fassent fructifier. Aussi, j'espère que de nobles âmes soucieuses de notre futur visiteront le village et y deviendront enseignants. C'est une quête pour l'avenir?
Bon. Je sais qu'il y a un truc ici. Et nous allons le voir tout de suite. Il est où? Je le sais où est-ce qu'il est. Ah pardon, je crois qu'il y avait un truc Korogu, mais... Non. Mais il y a un Korogu perdu. Voilà, c'est ici. Et il y a un petit débarras en plus. Mais il n'y a rien. Allez, on va dans le puits. Voilà. J'ai récupéré les grenouilles. Et on va lire avant d'aller ouvrir le coffre. Parce que je sais ce qu'il y a dans ce coffre. Tiens donc, l'école manque d'enseignants. Comme c'est bizarre. C'est vachement au goût du jour, dis donc. Faut bien être récompensé après l'avoir sauvé. Ah bah, je pense que j'ai été très très bien récompensé après avoir sauvé Hyrule. Alors, voyons voir. Les plaies laissées par le grand fléau ne sont pas encore refermées. Malgré d'innombrables problèmes, des plans de reconstruction ont été mis au point. Link m'accompagne, tandis que je parcours chaque région pour observer leur avancée. Tous ces voyages semblent avoir eu raison de ces vêtements, qui sont bien usés, si ce n'est en lambeaux. J'ai donc passé commande pour qu'une nouvelle tenue du prodige lui soit préparée. J'ai vraiment hâte de voir sa réaction quand je lui offrirai. Et pour qu'il ne la trouve pas avant, je vais la cacher dans la salle du trône. En effet, qui pourrait bien se douter que les torches en sont la véritable clé? Il faudra qu'on y aille. Mais avant ça, j'ouvre ce coffre. Et dans ce coffre, il y a le vieil anneau capillaire. La patine du temps a fait perdre cet anneau aux couleurs d'origine, mais il en dégage à présent une certaine mélancolie. Attachez vos cheveux avec pour une touche de nostalgie. Est-ce que je peux mettre une capuche? Ah non. Donc ouais, je peux mettre que ça et j'ai pas le choix. Mais bon, me voilà de nouveau avec mes cheveux attachés. À l'ancienne. Ça fait quand même plaisir. Même si en soi le bijou piaf faisait l'affaire. On verra si on aura besoin de plus de défense. Là je vais remonter. Et puis on va se laisser là pour cet épisode, je pense, les petits gars. Hop. Je vais prendre en photo la maison. Et on va se laisser là. Comment prendre une belle photo? Zelda qui backseat, je pense qu'il faudrait la banne def. Ah, on va retrouver Zelda et après on va la banne. Voilà. Petite photo qui servira de miniature, je pense. Et sur ce, je vais vous laisser là pour cet épisode, les petits gars. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur Zelda Tears of the Kingdom. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.